Je m'appelle Nolan Boyer, j'ai 18 ans, je suis à la Tony Parker Adequate Academy et je suis en prépa. Alors il faut savoir que je suis externe, du coup le soir je rentre chez moi. Donc le matin je prends le train pour aller à l'académie, commence les cours à 8h. De 8h à 10h j'ai soit cours de chargé de clientèle, anglais, culture générale ou projet Voltaire. Après ça de 10 à 12 j'ai entraînement. Ensuite, je mange. Après ça, je reprends les cours. Et ensuite, je m'entraîne le soir à Lyonceau de 20h30 à 22h. C'était de pouvoir allier le basket et l'école. Le fait que l'école soit 20 mètres des terrains de basket, bah, ça simplifie la tâche. Et du coup, on peut forcément plus se concentrer sur les deux objectifs. L'année dernière, j'étais en U18 Elite à Lyonceau et j'étais au lycée. Et c'était compliqué d'allier le basket et l'école parce que les trajets entre l'entraînement et l'école, bah, il était long. Et aujourd'hui, bah, c'est forcément beaucoup plus simple de pouvoir me concentrer sur le basket et d'étudier. Pour moi, c'est d'intégrer l'EM Lyon en deuxième année l'année prochaine. Du coup, je fais un petit chargé de clientèle. Alors, petit chargé de clientèle, c'est l'équivalent d'un bac plus 2 où je vais valider 60 crédits ECTS. À côté de ça, j'ai des cours d'anglais. To spend a lot of time in New York at February. In February. J'ai du projet Voltaire, du coup c'est tout ce qui est éloquence et français. Et j'ai de la culture générale pour pouvoir préparer mon concours à l'EM. Ce qui me permet de pouvoir me concentrer sur mes deux objectifs, c'est-à-dire le basket et l'école. Ça m'évite de faire un choix entre les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux préparer ma rentrée à l'EM Lyon tout en me concentrant sur le basket, voire même plus qu'avant. Du coup, c'est le parcours idéal. Je lui conseille de rejoindre l'académie en prépire parce que ça lui permet d'avoir des ambitions au niveau des études tout en pouvant pratiquer sa passion à fond et si jamais accomplir ses rêves.